viens d'une petite ville qui s'appelle Actonville, Angrenby et Drummondville. Et on était une grosse famille, on était sur une ferme. Puis mes sœurs, ma jumelle, ma sœur la plus vieille, ils autres, ils travaillaient au rendez-vous à Chaumélie, à la boîte à fleurs dans le temps. Puis mon mère me dit, ah, va donc travailler avec eux autres, ils font des bons sols, en tout cas, baba. Je me suis réveillée ici et j'ai jamais retourné dans. Je vais encore chez moi, ben, j'y vais en visite, mais je ne travaille plus dans les 4 places. Je reste à Laval maintenant. Je suis une Lavaloise. Comme Pierre bâtissait des bateaux et réparait des bateaux, en plus d'être dans la police, automatiquement, là, on a rentré dans la Garde Côtière Auxiliaire. Fait que là, on faisait des urgences à Rivière. Maintenant, il y a des unités, il y a des groupes de formés, mais dans ce temps-là, c'était tous des bénévoles. Alors, automatiquement, quand un bateau est en panne, il appelle Montréal Radio. Là, ils viennent nous voir, ils nous appellent. Puis ils nous disent qu'il y a un bateau à telle place qui est en panne, qui a besoin de cette aide. Fait qu'on y va. On est en chercher beaucoup dans les rapides parce que le monde s'en va. Puis j'imagine qu'ils ont de l'eau. Mais non. S'il y a des bouées, c'est parce qu'il faut que tu fasses des bouées. Mais c'est pour tout le monde que ça. Là, admettons que vous receviez un appel, là, ça prenait combien de temps là, avant que vous soyez prêt à partir? Là? 2 minutes. 2 minutes. On était rodés en testament, moi je peux te dire ça. Et tabarouette. Puis toi, mes enfants vont te le dire. Hein. Moi j'accrochais, oui, on y va. Là j'appelais en haut, parce que mon gars reste en haut. J'ai Castor, on a un corps. Le temps que nous autres, on était, lui était rendu au bateau, le bateau s'est découvert, on était prêt à partir. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se jetait en bas du fond des chars. Oui, pourquoi ils se jetaient en bas? Ils se suicidaient, okay. Ils tenaient de la vie. Ah, c'est pas facile. Ouais. Moi, la dernière, la petite fille, là, écoute, on l'a embrassée par les cheveux, là. Il n'y avait plus rien d'elle à Calais. Là. Puis, là, en tout cas, on l'a embarquée dans le bateau. Puis, je pense l'avoir lâchée, elle tourne dans l'eau. Elle voulait finir. Mais là, j'ai dit calme. On lui parle, on essaie de lui mettre la vie plus belle, puis tout ça. Parce que là, la police vient ramasser. Oui, elle met la police. Okay. Puis. Donc, la plupart du temps, vous arriviez à les sauver? Oui, oui, parce qu'on était prêts. On était une équipe. Ouais. Les scouts, là, je dis que. Je les appelais mes scouts, moi. Je dis qu'en haut, ça descendait. En haut, mon gars, d'abord là. Je disais, on a un corps. J'avais pas des autres choses. On a un corps. C'était rendu au bateau à 2 h du matin, 3 h du matin. C'est qu'avant ça, le monde, il n'y avait pas de puissance d'un moteur. Hein? C'était 3 quarts sur des canots, puis il se prenait sur la rivière, en canot. Parce que M. Drolet, l'oncle à Pierre, il bâtissait des canots. Il mettait sur la rivière, il les essayait. Mais des ceintures, il savait pas que ça avait de l'air. Mais maintenant, le monde sont sensibilisés. Fait que, et s'ils sont pas sûrs d'eux autres, là, ils vont mettre un gilet de sécurité, ils vont... Tu sais, il y a eu beaucoup d'éducation, on en a fait beaucoup, puis ça a resté aussi. C'était une vie de bateau, puis une vie d'eau, parce que Pierre était comme ça, tu sais. Pas le choix, hein? Qui peut payer, qui peut marier, pour la payer, hein? C'est ça qu'ils disent.